vous souhaite une bonne année, c'est-à-dire que je vous souhaite beaucoup de courage au cours de l'année qui vient. Courage pour supporter les adversités quand il y en aura, parce que chaque année, on a toujours des choses qui sont plus ou moins faciles à vivre. Et puis, courage pour faire le bien. Le courage pour faire le bien sans se laisser départir de cette intention, de cette volonté profonde que ce soit le bien de l'autre qui soit d'abord premier et de chercher ce bien de l'autre. Et aussi de chercher par là même notre propre bien à nous tous en société. Donc je vous souhaite une bonne année en vous souhaitant la force de l'Esprit. Le don de l'Esprit Saint, le don de force, c'est justement le courage dans la foi. Voilà, bonne année.